épisode de podcast créatif. Moi, c'est Azam Tou. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Hello Tricot. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je me suis dit que j'allais peut-être me représenter parce que vous êtes vraiment très, très nombreux à avoir débarqué ici depuis que je suis revenue, puisque j'ai vu qu'on avait dépassé sur cette chaîne la barre des 3000 abonnés. Donc déjà, merci. Merci beaucoup pour celles qui sont là depuis le début, pour celles qui ont débarqué en cours de route, pour celles qui m'ont attendu parce que c'est évidemment, comme je faisais plus de vidéos, il y en a beaucoup qui sont partis, ce que je comprends totalement. Donc voilà, donc merci beaucoup aux nouveaux qui débarquent ici, comme je vous disais depuis mon retour. Du coup, je me suis dit que j'allais me représenter. Donc, comme je vous disais, moi c'est Azam Tou, j'ai 32 ans, je vis à Troyes en Champagne-Ardenne, je suis maman de deux enfants, donc Emma qui a 7 ans et puis Chloé qui a 2 ans et demi. Je tricote du coup depuis 10 ans maintenant, enfin peut-être pas 10 ans, si peut-être, depuis très longtemps déjà. Je tricote depuis très longtemps. Au début, j'ai commencé comme beaucoup avec des aiguilles droites. J'ai découvert Instagram, j'ai découvert par la même occasion le tricot circulaire. Donc je tricote maintenant qu'en circulaire. Pendant longtemps, j'ai tricoté beaucoup, beaucoup de modèles. Maintenant, j'essaye de plus en plus de faire des choses, de tricoter des choses par moi. Pas parce que je veux absolument le faire, mais parce que j'ai acquis assez de techniques maintenant pour arriver à le faire. Parce que jusqu'à il y a très peu de temps, je tricotais beaucoup de jacquard, je tricotais beaucoup de modèles avec de la dentelle. Mais je me rends compte que je les porte très très peu. Et comme on sait, le tricot c'est quand même très très long. Il y a beaucoup de tricots que j'ai fait que je ne porte plus du tout ou pratiquement plus. Donc maintenant, j'essaie de revenir un peu à ce que je faisais au tout début quand j'ai commencé le tricot. Donc vraiment à du basique, basique. Donc beaucoup de jersey, beaucoup de modèles assez sobres en fait pour que je ne m'enlace pas dans le temps. Mais aussi, c'est ce que j'aime maintenant porter et c'est ce que j'aime tricoter en fait. Donc des fois c'est un peu relou de faire beaucoup beaucoup de jersey, mais finalement j'y trouve quand même mon compte puisque j'ai pas besoin de beaucoup de concentration. Comme je vous disais, je suis maman de deux enfants, donc je peux pas vraiment maintenant me concentrer beaucoup sur quelque chose très longtemps. Donc voilà, j'y trouve mon compte. Je continue à faire un peu de dentelle, un peu de jacquard, mais c'est vrai que c'est des techniques que je ne fais plus trop, enfin c'est des tricots que je ne fais plus trop maintenant. J'ai beaucoup tricoté de jacquard en 2000, enfin quand j'ai commencé à beaucoup en tricoter, je crois que c'était en 2019, à partir de 2019 pour ma fille, donc ma grande Emma, qui ne porte pratiquement plus du tout de mes tricots, mais sinon pour moi j'en ai fait quand même pas mal aussi et beaucoup je m'en suis lassée finalement parce que c'est très difficile d'associer des couleurs, surtout que je faisais moyennement attention au choix de mes couleurs, si j'allais vraiment porter, si j'avais ce qu'il fallait dans ma garde-robe pour porter avec et tout. Donc maintenant ici c'est vraiment pratiquement que du basique et c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime porter. Voilà pour la petite présentation. Ensuite, je vais peut-être vous montrer ce que je porte. Alors, je porte ce gilet-là qui vous plaît beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. J'avais dit que je ferais un tuto de ce gilet-là. J'y pense. Vraiment, j'y pense. J'essaie de... Mais j'ai pas encore pris le temps. J'ai pas encore eu le temps. Je voulais le faire la semaine dernière et j'ai pas du tout eu le temps de me poser pour le faire. Mais promis, dans les deux prochaines semaines, le tuto sera là parce que c'est vraiment très, très basique. Donc, c'est rapide à faire. Mais il faut vraiment que je puisse trouver le moment pour me poser et vraiment me concentrer pour le faire, pour pouvoir filmer, faire les petits trucs et tout. Mais je vous ferai ça sur un petit échantillon pour que vous puissiez voir l'idée. Mais finalement, si vous avez... Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé de faire le tuto. Et en fait... J'essaye aussi de trouver des modèles qui pourraient aller pour que vous puissiez vous prendre ce modèle-là du coup l'adapter pour faire ce que vous voulez. Donc c'est un gilet tout simple, sans boutonnière, que j'ai tricoté 3 fois je crois, puisque j'ai tricoté avec de la très grosse laine, donc je l'avais tricoté en 6 mm, j'ai tricoté avec celui-là du coup avec des côtes 1-1 brisées,
des côtes, un brisé sur le devant et un avec des rayures, avec une alternance fingering mohair que j'ai tricoté en 4 mm. Alors, il est très simple, mais c'est vrai qu'il y en a qui me disent on ne comprend pas trop les explications et tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'avais dit que je ferais un tuto et qui a traîné, qui traîne, qui traîne. Mais promis, dans les 2 prochaines semaines, vous aurez le tuto. Là, j'ai prévu de le faire là demain. Non, demain, je n'ai pas la patinoire, j'ai toute la matinée. Donc je pourrais faire ça demain matin. Normalement, promis, j'essaye vraiment de faire ça. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre cette semaine? Il faut que je parte en fait à la recherche de chaussures de mariée, puisque pour celles qui débarquent aussi, je me marie là dans quelques mois et en fait, il me faut absolument, puisque je vais faire mes premières retouches sur ma robe. Donc la dame, quand j'ai pris rendez-vous, me dit il faut absolument les chaussures, mais comme on n'est pas du tout dans la bonne saison, donc j'ai du mal à trouver les chaussures et surtout j'ai besoin de les essayer parce que je ne porte pas de talons. D'habitude, je porte des petites bottines avec une, mais très très peu. Donc, il faut vraiment que je trouve, je puisse essayer pour voir si je suis confortable dedans. J'aurai évidemment mes petites baskets dans mon sac le jour du mariage, mais vraiment, faut que j'ai vraiment envie de porter des petits talons et tout pour un peu être un peu plus grande puisque mon futur mari est très très grand. Moi, je fais 1m50, lui il fait 1m87, je crois. Oui, c'est ça, je crois. Et donc, il y a une grande différence de taille. Donc, j'aimerais bien essayer de me d'être un chouïa plus grande ce jour-là. Donc, voilà. Donc, il faut absolument que je trouve, puisque j'ai rendez-vous début mars. Donc, il faut vraiment, vraiment que je trouve. Mais comme on n'est pas dans la saison, c'est un peu compliqué. Et commander sur Internet, c'est vraiment. Bon, je pourrais toujours les renvoyer, mais là, je n'ai pas le temps, en fait, de renvoyer quoi que ce soit. Je m'y prends vraiment très, très tard. C'est pas bien, mais. Donc voilà, donc il faut que je trouve ça. Et donc sinon voilà. Il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière parce que mon dernier podcast, je vous disais que j'étais très fatiguée. Et oui, j'étais vraiment très très fatiguée. Du coup, j'ai eu vraiment la flemme. J'ai tricoté, mais j'ai pas du tout tourné. Ensuite, là, cette semaine-là, pareil, j'ai pas du tout tourné. On est dimanche aujourd'hui. J'ai pas du tout tourné parce que finalement, je me suis dit, oh, ça va, je commencerai lundi. Oh, mais ça va, je commencerai mardi. Et puis, pouf, on était vendredi. Donc, je me suis dit, bon, bah, tant pis, je vais faire plutôt un podcast et tout pour vous montrer parce que j'ai quand même des petites choses à vous montrer, beaucoup de choses à vous montrer. Donc, voilà, donc, parce que j'ai eu 2 semaines où j'ai pas du tout filmé, mais 2 semaines où j'ai beaucoup, beaucoup tricoté. Donc voilà, ensuite j'ai pareil du coup cette semaine-là où je vous dis j'étais fatiguée, j'ai pas tourné non plus parce que j'ai dû gérer un souci à l'école de Emma parce qu'en fait la cantine à l'école ça se passe très très bien, mais au niveau du périscolaire, enfin en tout cas au niveau de la cantine, ça se passe pas très bien. Il faut savoir que Emma en fait elle a un trouble alimentaire depuis la naissance où c'est très compliqué. Donc elle a été suivie, ça s'est beaucoup 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 amélioré, mais en fait dès qu'elle est un peu stressée, elle ne mange pas. Et à la cantine ça se passe moyennement bien puisque les dames du périscolaire qui viennent avaient tendance à leur hurler dessus, donc elle ça la stressait beaucoup. Ça dure depuis un petit moment cette histoire-là. Donc on a été plusieurs parents à aller se plaindre en disant c'est pas normal en fait que des adultes qui viennent s'occuper d'enfants pendant 1 heure et demie n'arrivent pas à se contrôler, n'arrivent pas à se dire bah, en fait en face de moi j'ai des enfants, en face de moi j'ai pas des chiens qui ont hurle dessus de s'asseoir là, de pas faire ci, de pas faire ça. C'est un peu compliqué. On a été plusieurs parents à dire non stop, ça ne doit pas continuer parce que voilà, c'est pas normal ce qui se passe là. Cette personne-là, là, qui posait le plus de problèmes, a été licenciée ils ont mis d'autres personnes. Mais ce qui est problématique, c'est qu'en fait, c'est des métiers quand même assez précaires, très très mal payés, qui font que du coup, bah, c'est à beaucoup de turnover. Enfin, enfin, ça brasse beaucoup en fait. C'est rarement la même personne d'une semaine à l'autre. Ça a été très compliqué puisqu'il y en avait qui arrivaient, qui étaient bien, mais finalement qui repartaient. Et puis il y en avait d'autres qui étaient moyennement bien et qui repartaient. Donc là, ça a recommencé là, la semaine, il y a 2 semaines, du coup, elle a recommencé à chaque fois à rentrer.
où elle ne mangeait pas du coup, elle ne mangeait pas, et elle rentrait, elle me disait, mais ça va pas de nouveau. Donc j'ai contacté du coup le service qui s'occupe de ça. Donc j'ai beaucoup, toute cette semaine, j'ai déjà envoyé beaucoup de mails, parce qu'en fait, finalement, tant qu'on n'envoie pas, tant qu'on laisse pas une trace, je vous conseille, pour les personnes à qui il y a un problème dans votre école, dans l'école de votre enfant, ne prenez pas la peine d'appeler, envoyez un mail, parce qu'à partir du moment où on laisse une trace écrite, parce que j'ai appelé, j'ai essayé de voir et tout, à chaque fois on m'envoyait un peu bouler, et à partir du moment où j'ai envoyé un mail, tout de suite ça a été pris au sérieux. À chaque fois que j'envoie un mail, c'est tout de suite, parce qu'en fait il y a une trace écrite, donc s'il se passe quelque chose, il y a une trace écrite. Donc n'hésitez vraiment pas à envoyer un mail, à dire les choses, parce que finalement, c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui encore, on ne puisse pas, on se dise pas qu'il y ait des personnes qui hurlent sur les enfants comme ça. Je ne comprends pas. Là, c'est quelque chose, parce que ce que je disais, c'est que même la maîtresse qui les a toute la journée ne leur hurle pas dessus comme ça, en fait. Et puis c'est même, il n'y a aucun, enfin, leur dire les choses, être strict. Moi, je fais vraiment la différence entre être très strict et leur hurler dessus. Parce que, par exemple, la personne qui s'occupe de l'école, enfin, la dame qui gère vraiment tout le personnel lié à la cantine, au temps cartable, au temps du devoir et tout, elle est très, très, très gentille, mais en même temps, elle est très sévère, parce qu'il faut aussi mettre un cadre. Moi, je ne suis pas sévère à la maison, mais je considère que ce que je dis tout le temps, Emma, l'école, c'est l'école, on fait attention, on suit les règles et tout de l'école. On n'a pas, j'ai pas les mêmes règles à la maison, mais bon, ça, l'école, c'est autre chose, la maison, c'est autre chose. Et donc, même elle, qui est assez sévère, elle reste quand même très gentille, elle reste attentionnée envers les enfants, ils l'aiment beaucoup, malgré le fait que ça lui arrive de leur dire, voilà, je suis pas d'accord, ce qui est normal. Mais par contre, de leur crier dessus, bah, ça ne convient pas, et bah, encore moins pour Emma, puisque bah, du coup, ça avait conséquence, il y avait des conséquences du fait que du coup, elle ne mangeait plus. Donc voilà, donc toute la journée, le ventre vide, pratiquement vide toute la journée. Donc voilà, donc j'ai dû m'occuper de ça, ça a été très long, ça m'a beaucoup frustrée, ça m'a beaucoup énervée. Donc j'ai beaucoup tricoté pour essayer de me calmer un peu, parce que du coup, forcément, je me suis beaucoup énervée au téléphone et tout, parce que j'étais pas prise au sérieux par rapport à tout ça. Donc bon, bref, je vais m'arrêter là, parce que du coup j'ai fait une longue, mais ça m'a bien, 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 ça m'a bien retourné, parce que c'est triste de se dire que son enfant ne sent pas bien à l'école et ne mange pas, en fait, finalement le midi et tout. Et il faut savoir que, en fait, je pourrais récupérer Emma à manger à midi, mais avec ce trouble-là, la personne qui la suivait, nous a conseillé de la mettre à la cantine pour qu'elle s'habitue à gérer son problème, le problème lié à la nourriture, qu'elle s'habitue à le gérer en dehors de la maison, parce qu'à la maison ça se passe bien, mais il faut qu'elle puisse s'autogérer aussi à l'extérieur d'ici, en fait. C'est pas possible, on peut pas faire autrement, en fait. Donc voilà, donc c'est la cantine, j'ai pas le choix de la mettre à la cantine, parce que, et finalement, ça a été très, très, très dur les premières années, les 2 premières années de maternelle. Vraiment, ça a été, mais je mangeais plus non plus, puisque je savais qu'elle ne mangeait rien. Donc j'avais perdu, j'étais très, 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 très maigre, j'avais perdu beaucoup de poids, parce qu'arrivé midi, mon ventre, il se nouait, je savais que ma fille mangeait pas. Donc ça a été très dur, mais finalement, à force de travailler là-dessus, ça s'est arrangé, et là, c'est vrai que c'était en train de se dégrader de nouveau. Mais bon, là, depuis 3 jours, du coup, ça se passe de nouveau bien. Ça s'est très bien passé le jeudi et vendredi. Elle a mangé correctement et tout. Donc, ça s'est très bien passé. Donc, la personne. Et ce qui me scandalise, en fait, dans tout ça, c'est que la personne a été déplacée. Donc, elle a été mise dans une autre école. Ça me scandalise, en fait, parce que je trouve que c'est pas normal. Quand il y a un parent qui dit il y a un problème, et ils sont venus constater, c'est pas juste moi qui l'ai dit, et qui ils sont venus constater que effectivement il y avait un souci, et en fait ils l'ont juste déplacé pour plus que les parents se plaignent dans cette école-là, ils l'ont juste déplacé dans une autre école. Bon, c'est désespérant, mais bon. Donc voilà, bref, j'étais en train de parler. Donc, au promis, ce tuto, il va arriver. On va essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça assez rapidement pour l'avoir. Alors, donc j'ai des petits tricots terminés. Donc, le premier, c'est mes chaussettes post-café de Charlotte Stone, que j'ai terminées. Ça y est.
Les fils sont rentrés, mais pareil, je les ai toujours pas coupés. Mais les fils sont rentrés, elles ont été bloquées, donc elles vont partir. Je vais couper les fils avant. Elles vont partir dans ma boîte de bain. Je suis trop contente de les avoir terminées, j'en pouvais plus. En fait, cette laine-là, vraiment, j'en pouvais plus de me la voir. J'avais commencé à la tricoter, j'avais monté un pull tout en dentelle, j'avais pris le pull, un pull d'atelier Émilie. Et en fait, finalement, je me suis dit, mais en fait, je ne le porterai pas beaucoup, ce top. J'avais fait un top, en fait, je ne le porterai pas beaucoup. Du coup, je l'ai détricoté. Ensuite, du coup, j'ai monté tout de suite. Tout de suite, j'ai pris la laine, j'ai monté mon top jaune, donc je l'ai terminé. Et tout de suite après, j'ai monté les chaussettes. Et comme j'ai pas fait les chaussettes en même temps, j'en ai fait l'une après l'autre, ça m'a juste saoulée en fait. J'ai eu vraiment du mal à la terminer parce qu'en fait, je pouvais plus me la voir. Ce jaune-là, je pouvais plus me le voir. Donc ça a été assez compliqué, mais je me suis forcée pour les terminer parce que j'allais pas les laisser traîner pendant des mois. Et donc voilà, donc je les ai terminées. Comme je vous disais, c'est un modèle de Charlotte Stone du livre Les chaussettes pop à tricoter. Donc c'est un modèle qui se commence par la tige, donc on fait des côtes 1-1 normalement, moi j'ai fait des côtes 2-2. Ensuite on fait le jacquard, pareil je l'ai modifié puisque normalement il y a deux barres qui entourent les tasses de café fumante et les graines de café. Moi je les ai modifiées, ensuite normalement c'était un talon en œil de perdrix, moi j'ai fait un talon, le talon que j'aime, enfin je le maîtrise bien, donc moi je fais celui-là. Ensuite, il y avait tout le pied, et puis faire un grafting loupé. Celui-là, il est un peu mieux réussi, celui-là. Et celui-là, on voit carrément une barre de points mousse. Mais bon, donc voilà. Donc, je les ai terminés, bloqués et tout. Je suis trop contente. Donc, je l'ai tricoté dans de la Woolissim. C'est la qualité Isor. Donc, c'est fingering, 75% mérino, superwash et 25% nylon. Donc, il y avait 425 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Yellow Gold. Donc voilà, donc ça y est fini. Mais bon, je l'ai revu, je vous en parle après, mais je l'ai retricoté. Mais enfin, je l'utilise de nouveau. Mais c'est différent. Donc vous allez voir ça. Donc voilà, donc ça, c'est mon premier tricot terminé. Ensuite, j'ai terminé les chaussettes de Emma. Elles sont pas encore bloquées. Il faut que je les bloque, que je rentre les fils, mais je les ai terminés. Donc ça, la laine, c'est une laine qu'on avait teinte avec Emma. On les avait les deux laines. Donc ça, là, on avait fait un violet. Et là, on avait essayé de faire des speckles. Je crois que là, vous avez le bon coloris. Donc je trouve que c'est pas mal. Enfin, franchement, je trouve que la teinture a bien pris. C'est exactement ce que voulait Emma. Donc c'est chouette. Donc là, je lui ai même pas encore montré que je les avais terminés parce que je voulais les garder, vous les montrer avant de lui passer. Mais donc voilà, donc j'ai commencé par la pointe. Je les avais tricotés les deux ensemble. J'ai commencé par la pointe. Ensuite, j'ai fait tout le pied. J'ai fait plus grand parce que j'ai fait plus grand le pied pour qu'elle puisse les mettre plus longtemps. Parce qu'en fait, les chaussettes Omar que je lui avais tricotées, elle arrive au bout, elle les a mis vraiment quelques mois, puisque quelques semaines en fait, parce que finalement, je les avais tricotées cet été, comme elle ne pouvait pas encore les porter, là, elle peut juste les porter. Et en fait, déjà, c'est trop serré au niveau du pied, et puis en plus, c'était pas assez grand, donc elle ne peut pas les porter. Donc celle-là, normalement, elle pourra les porter et cette année et l'année prochaine. C'est pour ça aussi que je ne tricote pas beaucoup de chaussettes, parce qu'en fait, comme le pied grandit très vite, je me dis, j'attends qu'elle soit vraiment, je lui en tricoterai plus quand ce sera stabilisé. Mais je pense que je vais lui faire deux paires par an, comme ça elle aura deux paires tricotées, deux ou trois maximum. Et puis après voilà. Donc j'ai fait la tige plus haute parce qu'elle aime bien, j'aurais pu faire un peu plus haut. Je ne les ai pas encore essayé, je ne sais pas comment ça monte et tout, mais elle aime bien les chaussettes bien bien hautes. Donc j'aurais pu. Mais donc là, c'est de la laine, attendez, c'est de la, j'arrive jamais à trouver le nom, c'est la laine à chaussettes de chez Drops. J'arrive jamais à trouver le nom, ah, ça m'échappe. Bref, je vous l'écrirai là si j'y pense. Je vais essayer de ne pas faire trop de montage, comme ça je vous la mets en ligne tout à l'heure, là tout à l'heure, dès que j'ai fini. J'essaie de vous la mettre en ligne. Donc voilà, donc ça c'est de la Drops, donc blanche qu'on a teinte l'année dernière avec Emma.
Donc, je suis trop contente du résultat. Elle, ça lui plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Donc, ça, c'est mon autre tricot terminé. Ensuite, j'ai terminé mon gilet de mariage. Je l'ai terminé ce matin. Donc, là, je me suis réveillée plus tôt que tout le monde. Et j'ai terminé, j'avais fait la manche, la première manche. Et puis là, j'ai terminé la deuxième manche. Il me restait ça à faire ce matin. Je me suis réveillée, il était 5 h du matin. Donc, en attendant, j'ai regardé des podcasts. Et puis voilà. Donc, je vous montre ça. Et puis après, je vais vous parler d'Exception Laine. Parce qu'en fait, voilà, je vous dis ça après. Je vous raconte ça après. Donc, bref. C'est le modèle Rosa de Longue avec Anna. Que j'ai fait plusieurs fois. Normalement, il est modifié, comme vous pouvez le voir, parce que normalement, c'est un raglan en dentelle. Moi, je l'ai fait tout en jersey. Puis je l'avais déjà fait tout en jersey une première fois, et puis là, je l'ai refait tout en jersey. Il est absolument d'une douceur. La laine, c'est de la. J'arrive pas à lire le nom. J'arrive pas à savoir si c'est un H. Je crois que c'est Haute Vrelle, peut-être. Haute Vrelle, je sais pas du tout, j'arrive pas trop à relire Woolissim, donc c'est de la Woolissim, c'est un fil mohair non teint, donc c'est de la laine, 72% kid mohair et 28% soie. C'est ma chère Priam qui me l'avait offerte, qui m'a offert cette laine-là pour me tricoter mon gilet, parce que moi je voulais tricoter mon gilet. Elle m'a offert la laine, donc voilà. Enfin, tu vois, Priam, je me suis motivée, je n'ai même pas encore dit que je m'étais motivée à le reprendre. Donc, je l'ai terminé. Donc, c'est un modèle, on commence par, c'est en col V. On commence par monter le dos, les manches et tout, et puis on creuse le décolleté en V. Ensuite, on tricote en aller-retour jusqu'à un nombre de centimètres au niveau du corps. Ensuite, les manches, moi j'ai fait des diminutions, j'ai même pas regardé comment étaient faites les manches, mais j'ai fait des diminutions, je voulais que ça soit assez, je voulais pas que ça soit trop large, donc j'ai fait des diminutions tous les 6 rangs pour que ça se resserre bien au niveau du poignet. Donc voilà, donc il est vraiment tout moelleux et tout, je vais pas le bloquer tout de suite, je vais rentrer les fils, mais je le bloquerai juste avant le mariage et tout, ça sert à rien parce que je vais le plier, donc il y aura quand même les traces. Je vous avais déjà montré, mais j'avais trouvé ces petits boutons-là où il n'y a pas besoin de, parce que j'ai pas fait de boutonnière, où il n'y a pas besoin de coudre le bouton, donc ça s'insère comme ça, c'est voilà, comme ça. Donc enfin c'est parfait, je trouve que c'est parfait, comme ça je peux les déplacer, parce qu'en fait, des fois je place mes boutonnières, mais vraiment trop trop mal, donc je me suis dit que pour pas me prendre la tête, j'ai découvert ça en fait comme ça par hasard et je me suis dit parfait comme ça on les voit pas trop parce que je voulais pas que ça se voit trop. Je voulais des boutonnières assez simples et j'arrive pas à le remettre. Je voulais des boutonnières assez simples et puis ne pas avoir besoin de enfin pouvoir les replacer. C'est pas mal là pour pouvoir les replacer sur la robe quand j'aurai la robe. Voir un peu du coup je pourrais les amener pour mon essayage pour mes premières retouches. Dans 3 semaines, là, je vais pouvoir l'amener et tout pour voir si je dois modifier quelque chose, si au niveau du corps c'est un peu trop long ou quoi que ce soit. Donc, il est peut-être pas fini, mais en tout cas, là, je l'ai terminé. Donc, je suis trop contente. Je le porterai peut-être même pas en fait, parce qu'il va peut-être faire chaud comme pas possible. Mais à la même période, la même date l'année dernière, il faisait vraiment très très moche. Donc, bon. Donc on verra bien. Sinon, je le porterai le soir, ce sera très bien aussi. Donc voilà, puisque ma robe elle est manches courtes, donc j'en aurai peut-être l'utilité, on ne sait jamais. Donc voilà, ça c'est fini. Donc comme je vous ai dit, je ne le bloque pas tout de suite. Je mettrai les. Comment les. Je mettrai le. Je rentrerai les fils, mais je ne le bloque pas tout de suite. Alors, je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai oublié. Je vais faire une petite parenthèse sur sur le festival Exception Laine. Alors, c'était trop bien. C'était vraiment trop, trop bien. On a failli ne pas y aller puisque Priam a eu des petits problèmes de train.
Donc jusqu'au bout, c'était vraiment, on s'est dit bon, ça va être juste, puisque son train avait du retard, le premier train avait du retard, et du coup, bah après, il fallait qu'elle enchaîne derrière d'autres trains. Donc ça a été chaud, chaud, chaud. On a eu un bon coup de stress. Et puis, mais bon, tout s'est bien réglé. Donc on est arrivé à l'ouverture, puisqu'on est arrivé, je me souviens, il était 10h05, je crois, un truc comme ça. Donc vraiment à l'ouverture, on est resté jusqu'à, je crois, on est reparti à 15h. Parce que comme je vous avais dit, après le lendemain, il y avait école et j'en travaillais. Donc je suis repassée à Nancy récupérer tout le monde et puis on est reparti. Mais c'était vraiment, on a rencontré plein, 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 plein de monde. Mais absolument, mais c'était génial. Vous avez été plusieurs à venir me voir et c'était trop bien. Même s'il y a eu des moments où vous m'avez fait peur parce que d'un coup j'entendais Azamtour et puis je me retournais comme ça, mais parce que tu es concentré, tu regardes la Talène et tout. C'était un peu, il y a eu des petits coups de stress en fait, mais sinon, c'était trop bien. Vous avez été absolument adorable avec moi. Donc merci, merci, merci. J'ai rencontré plein de gens, j'ai revu plein de personnes. J'ai revu Caro, ça faisait longtemps, enfin ça faisait pas si longtemps puisqu'on s'était vu au dernier festival où je suis allée. Mais en tout cas, j'ai revu plein de personnes que j'apprécie beaucoup. J'en ai rencontré de nouvelles, notamment Kathleen, l'organisatrice du festival, qui est absolument mais d'une gentillesse, mais incroyable, mais d'une gentillesse incroyable. C'était trop bien. On a passé un petit moment, on a pris notre petit, enfin on a mangé. Moi j'avais pas très faim, je me suis nourrie de l'aide. J'avais pas très très faim, du coup j'avais pris juste une soupe. Ils faisaient une soupe, je me suis pris une soupe. Donc avec Priam, Jonathan, Kathleen et mince 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 Pauline, voilà. Pauline de Oh, je noterai là, je sais plus. En fait, c'est une podcasteuse aussi. J'ai découvert ses podcasts. Du coup, là, je suis en train de tout refaire parce qu'elle est absolument adorable, d'une douceur incroyable. Du coup, moi, ça me calme. Moi, j'aime bien les podcasts doux parce qu'en fait, du coup, ça me permet parce que de pas de me canaliser, mais de. C'est ce que je lui disais, ça me permet vraiment d'avoir un peu de douceur puisque je suis tout le temps dans le speed et tout. Donc absolument, mais d'une gentillesse toutes les deux, mais incroyable. Donc on a mangé ensemble à midi, enfin mangé, on s'est posé une vingtaine de minutes, on a discuté et tout, c'était vraiment trop, 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 trop bien. On a bien profité, mais elle est absolument adorable, mais adorable. Pauline et Kathleen, elles sont adorables. Donc merci beaucoup les filles parce que grâce à vous, j'ai passé un agréable. J'ai mangé une soupe très 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 poivrée, mais elle était très bonne la soupe, mais elle était vraiment poivrée. Du coup, après, je suis sortie prendre un peu l'air parce que j'avais chaud. Mais donc voilà, donc c'était vraiment super. Merci, je vous fais des bisous. Donc voilà, donc on a bien profité. Ensuite, bah, je me suis fait plaisir. Je vous montre pas là parce que vous allez les voir au fur et à mesure. Mais en gros, je me suis pris de la laine à chaussettes, je me suis pris des quantités pulls et châles, et je me suis pris de la laine à chaussettes. J'ai pris chez, vous la verrez bientôt parce que je pense que je vais monter une paire d'autoréantes que j'ai pris chez Le Bruit des Aiguilles. J'ai pris deux quantités chez elle et tout. Donc voilà. Donc je vous ai montré ce que. Donc c'était trop bien, je me suis bien amusée. On a passé un agréable moment, donc on a fait pareil ce qu'on avait dit, hein, qu'on allait faire un premier tour et puis un deuxième tour. Du coup, ça a permis de vraiment redescendre et de ne pas se dire ah bah j'achète ça, 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 ça. Donc c'était très bien. Donc j'ai passé un très très bon moment. Ensuite, alors je vais vous parler de mes. Il y a quelques semaines, en fait, il y a comment dire? Une petite marque d'accessoires tricot m'a contacté pour me faire pour me proposer de m'envoyer quelque chose pour vous faire découvrir la marque et puis me faire découvrir aussi la marque puisque je ne la connaissais pas du tout. En discutant et tout, je suis allée voir sur son site et tout. Et en fait, elle fait des sacs de tricot, des accessoires aussi, d'aiguilles et tout, et des pochettes d'aiguilles et tout. Et donc, j'ai choisi ce petit sac qui est juste trop bien fait, qui est super beau. C'est des lamas, comme vous pouvez le constater. Il est très grand. Sur le site, c'était marqué qu'il y avait 10 échevaux, sur 10 échevaux.
Donc, c'est une boutique, elle a une boutique sur Etsy et un site internet. Donc, j'ai noté parce que Zazouche Création. Zazouche Création, donc c'est un sac assez grand. Il y a une poignée là pour le transporter, mais moi, je ne pense pas parce que je le transporterai parce qu'en fait, je pense pas que je vais le porter comme ça plutôt. Parce qu'en fait, quand on a quelque chose dedans, il est assez lourd. Donc, c'est un poids à se faire mal. Mais donc, voilà. Donc, elle a des modèles plus petits. Elle a des modèles. Du coup, celui-là, c'est un grand format. Donc, il est tout molletonné. Il est tout molletonné. Donc, il tient super bien comme ça. Il est vraiment. Du coup, il y a une poche à l'intérieur. Une seule poche. Mais en fait, comme il y a un bouton pression, du coup, ça sépare. Ça fait deux poches. Donc voilà, après c'est un pochon comme ça qui se glisse avec une coulisse comme ça. Donc je suis trop contente, il est franchement super beau, super beau, super beau. Merci encore, merci, merci. Je vous mettrai le lien de son compte Etsy et de son site internet si vous avez envie d'aller la découvrir, la soutenir parce que c'est vraiment une toute petite marque et c'est vrai que c'est en fait. Je vais revenir là-dessus parce que dernièrement, là, j'avais vu, il y avait eu pas mal de drama sur les collaborations, sur le fait d'être payé ou non, le fait de. Et moi, j'ai fait quelques collaborations, des fois avec de très grandes marques, enfin des marques de très grandes, des marques de laine très connues, puisque je fais des collaborations qu'autour du tricot parce que j'ai d'autres personnes qui m'ont contacté pour faire des collaborations, mais qui n'avaient pas du tout de lien avec le tricot. Et honnêtement, sur ma chaîne, je n'avais pas trop envie, parce que moi, c'est vraiment ce qui est autour du tricot qui m'intéresse à côté. Ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Et il faut vraiment que ça m'intéresse pour que je dise oui. Là, maintenant, je me suis dit que j'allais, avec des grandes marques, j'allais arrêter, puisqu'il y a d'autres marques qui m'ont contacté pour me proposer. Pour me proposer de m'envoyer de la laine et tout, j'ai refusé, pas parce que ça me met mal à l'aise ou parce que quoi que ce soit, c'est juste que si c'est des petites marques comme elle, c'est une toute petite marque, elle a envie de faire un peu de publicité. Quand on est une toute petite marque, on démarre, on n'a pas forcément beaucoup de sous. Donc, elle, ça lui coûte de l'argent de m'envoyer ce sac-là. Donc, oui, c'est avec plaisir que je lui fais, malgré que je suis un tout petit compte quand même, c'est avec plaisir que je lui fais un peu de publicité. Ça prendra pas. Mais moi, je suis très contente quand elle m'a proposé ça. Je dis oui direct. Je lui ai juste demandé du coup ce qu'elle attendait de moi, juste que j'en parle et je lui ai dit oui avec plaisir. Donc voilà. Donc je suis très contente du sac. Il est très 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 bien fait, de jolies finitions. Donc si vous avez envie de la soutenir, vous pouvez aller voir. Je mettrai les liens en barre d'infos là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, mais puisque Emma voulait me piquer mon nouveau sac, que je lui ai dit bien sûr que non, c'est le mien, je le garde. Et puis, mais donc Emma, ça fait un petit moment qu'elle me demande elle veut se mettre au tricot. J'ai un peu laissé traîner les choses parce que on avait déjà tenté une première fois, une deuxième fois, et à chaque fois elle abandonnait en fait. Et là, cette fois-ci, elle était vraiment très très motivée. Donc, je lui ai dit, allez. Du coup, j'ai commencé à lui apprendre. Je lui apprends la méthode continentale parce que pour moi, je ne reviendrai jamais à la méthode classique, sauf si je me blesse et que on m'oblige à recommencer. Mais sinon, je vais vraiment. Je lui ai appris directement. Donc, elle le maîtrise plutôt bien. Donc, elle a commencé, mais comme elle veut, oui, voilà, je reviens, je reviens un peu en arrière. Je l'ai amenée du coup chez la mercerie Hélène, c'est une mercerie qui est à côté de chez nous, qui est à Troyes, qui est très connue et tout, par là. Et elle a choisi un petit tissu pour que je lui fasse du coup un sac de tricot. Donc, elle a choisi ce tissu-là que je trouve trop rigolo. C'est bien son genre et tout. Pourtant, elle n'est pas très, très. Enfin, elle n'est pas très fichie. Par exemple, elle ne lit pas les histoires de princesse et tout. Elle n'est pas princesse du tout. Et celui-là, je trouve que ça lui ressemble bien parce que ça fait un peu figurly, mais en même temps, pas tellement que ça. Donc, elle a choisi ce tissu-là et j'ai les doublés avec un tissu blanc, un coton blanc tout classique et tout. Donc voilà, donc j'ai mis un thermocollant pour qu'il soit plus rigide.
Donc voilà, donc il est tout petit, enfin, je pense un petit projet, enfin, un petit projet comme ça, c'est parfait et tout. Donc elle a commencé son tricot. Elle a bon là pour le moment c'est pas très c'est évidemment pas très très régulier, mais elle fait moi j'ai fait les deux premiers rangs ici pour bien lui lancer le truc. Et puis après là elle est en train de faire du point droit. Ensuite une fois qu'elle va faire un carré là, donc une fois qu'elle aura fini son carré, je vais lui faire faire donc lui faire monter les mailles, lui apprendre à comment monter les mailles, lui apprendre parce que là j'essaie de lui apprendre à monter les mailles mais elle est pas prête. Donc je vais monter les mailles, j'ai fait deux rangs pour bien bloquer les mailles. Et puis maintenant, bah là, elle est en train de faire tout ça, c'est elle qui a fait. Elle a fait tout ça depuis 2 jours. Donc c'est pas mal parce que finalement, je lui rattrape des mailles. Donc il y a des mailles, des fois qu'elle tricote à l'envers, il y en a qu'elle tricote en double. Je comprends pas trop comment, mais bon, donc voilà, donc elle est en train de tricoter ça et c'est trop mignon parce que dedans du coup elle a mis sa petite pochette. En fait c'est une pochette que son arrière-grand-mère lui a brodée. Donc c'est elle brode tout ça pour ses arrière-petits-enfants. Donc elle lui avait fait tout un kit avec une paire de ciseaux, un mètre ruban, enfin voilà. Donc elle a mis ses petites affaires dedans. Elle l'utilise pas trop encore. Elle sera bien contente de l'avoir dans quelques années. Elle sait que ça vient de son arrière-grand-mère et tout. Donc, elle saura que c'est précieux. Donc, voilà. Donc, ça, sa petite pochette, elle a mis ça dedans, que je trouve trop belle. Qui a été, enfin, vraiment le travail. Moi, je sais pas si j'aurais assez de patience pour faire un travail pareil. Mais vraiment, franchement, c'est magnifique. Donc, je me jalouse beaucoup sa petite pochette, mais c'est à elle. Et c'est très, très précieux. Donc, elle a mis ça là-dedans. Donc voilà, c'est ça, c'est le tricot de Emma dans son petit sac que je lui ai fait. Du coup, j'en ai profité quand j'y étais. J'en ai profité pour me prendre aussi un tissu. Donc moi, je me suis pris ce tissu-là et je m'en suis fait un petit sac comme ça. J'en avais pris beaucoup, donc je vais m'en faire un très grand, mais j'ai plus de thermocollant. Je pensais que j'avais encore du thermocollant à la maison, mais j'en avais juste une quantité. Pour faire bah, les deux petits pochons là, donc il faut que j'irai, je pense, demain me racheter, demain ou après-demain, me racheter un petit du thermocollant pour terminer. Donc je me suis pris ce tissu là que j'ai cousu. Normalement, en fait, j'aurais dû, je pense, le coudre comme ça dans ce sens-là, mais j'ai mal coupé mon tissu. Mais bon, c'est pas grave, c'est très joli quand même. Pareil, du coup, je l'ai doublé avec du blanc à l'intérieur. J'ai pas mis de poche, rien du tout, c'est vraiment tout simple. Et dedans, il y a des chaussettes, puisque je suis complètement obsédée par les chaussettes rayées en ce moment. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis complètement obsédée par ça. Donc, j'ai commencé, j'en ai fait une première. Donc, elle est comme ça. J'ai utilisé, ça, c'est de la Célène. Le coloris, c'est cuisse de nymphe. Et j'ai utilisé de la Fabel, voilà, de la Fabel de Drops pour faire les rayures et. J'ai fait un tout petit peu long que ce que je fais d'habitude. Donc, j'ai commencé par la pointe. Ensuite, j'ai fait un talon en rang raccourci. Et puis, des côtes de 2 sur le haut. Et j'ai monté tout de suite la deuxième pour pas avoir la flemme de ne pas la monter, que ça traîne trop. Donc, j'ai monté. Bon, alors attendez, parce que là, du coup, hop, voilà. Donc j'en suis là pour la deuxième. Elle a plutôt bien avancé. Hop, je l'ai fait pareil, bah, du coup, à la vanille, sans modèle. Donc j'ai commencé par la pointe. Et maintenant, je suis en train de monter tout doucement les rayures et tout. Je la tricote surtout le soir. Parce qu'en fait, le soir, finalement, je prends vraiment des tout petits tricots le soir. J'aime bien. J'aime bien tricoter. La journée, je tricote les gros tricots, sauf si Chloé est trop énervée. Du coup, je prends des petits. Je prends des petits tricots pour que ça soit plus pratique, en fait, si je dois poser tout le temps. Mais c'est pas mal les petits tricots comme ça. Donc voilà, donc je suis, je vous parle de, je vous dis, je suis obsédée par les rayures. Donc ça, c'est la première paire que j'ai montée la semaine dernière. Ensuite, j'ai monté une deuxième paire. Je vous montre aussi. Attendez, ah, je prends celui-là. J'ai monté une autre paire que je. Pareil, deux rayures avec la fin de cette pelote-là, de mon pull. Donc, c'est de là. Je suis debout, c'est pas pratique pour tenir les sacs.
C'est de la laine de mout. Le coloris, c'est Mister Coconut. Et je le tricote avec de la javol. Donc, verte. Hop, je l'ai mis. Voilà. Normalement, c'est pas... je l'ai mis en cake parce qu'il m'embêtait un peu. Je voulais tricoter les deux en même temps. Après, j'ai eu la flemme. Je me suis loupée au démarrage et puis j'ai laissé tomber. Donc, la première est terminée. Pareil, du coup, la première est terminée. J'aime beaucoup ce que ça rend. Donc, ça fait vraiment Noël. Enfin, ce vert-là, il fait vraiment vert Noël. Donc, j'ai monté la première. J'ai, pareil, par la pointe. J'ai fait le pied, un talon en rang raccourci. Ensuite, quelques rayures. Et puis, pareil, des côtes de deux. Et j'ai monté la deuxième, qui est pas loin, puisque j'ai monté que la pointe. Mais j'ai pas encore... J'aimerais bien terminer l'autre et ensuite m'attaquer à celle-là. Et puis quand j'aurai terminé l'autre, troisième chaussette rayée, j'ai monté ça. Alors, j'ai monté ça parce que, comme par hasard, la semaine de la Saint-Valentin, j'ai monté une paire de chaussettes. Donc j'ai fait rayer. J'ai fait un peu plus de rayures puisque là, j'ai fait, là, les autres, je les ai fait avec des rayures de 4 rangs. Enfin, oui, c'est ça, 4 rangs. Et là, j'ai fait 6 rangs. Et je me suis dit, mais je vais pas refaire la chaussette pour la troisième fois pareil. Donc, comme on était dans la semaine de la Saint-Valentin, je me suis dit, oh, tiens, je vais faire des cœurs. Donc, j'ai fait des petits cœurs comme ça sur le dessus. Donc, ça change un peu. Donc, voilà. Donc, j'ai pas encore monté la deuxième. Donc, je fais l'autre. J'ai pas l'étiquette, mais c'est de la javol aussi c'est un rouge bordeaux. Je crois que vous avez, attendez, je crois que là vous avez le bon coloris, je pense. C'est un rouge bordeaux avec, ouais, là c'est pas mal. Là. Un rouge bordeaux avec de la Madeleine et Philibert, que c'est une laine que j'avais tricotée, puis j'avais détricotée, j'avais fait un top que je portais pas du tout. Donc je l'utilise pour, j'en ai pas mal en plus. Je l'utilise pour, donc j'aurai d'autres paires de chaussettes à faire avec cette laine-là, puisque j'ai d'autres pelotes, j'ai encore deux pelotes pratiquement entières qui sont là. Donc voilà, donc mes chaussettes cœur, j'aime beaucoup, ça fait vraiment fifi, mais j'aime bien, je trouve ça mignon. Donc voilà, donc ça c'est une autre paire, donc j'ai tout ça, j'ai trois paires de chaussettes en cours. Donc il me reste trois chaussettes à faire, donc ça c'est cool parce que je vais essayer de les terminer parce que ça va finalement vite. En plus avec les rayures, c'est motivant. Une fois qu'on a monté la chaussette, c'est assez motivant à faire. Donc, je vais essayer de monter, de faire ça cette semaine parce que j'aimerais bien monter une paire de chaussettes autorayantes, de laine autorayante que j'ai achetée du coup au festival. Donc, mais avant, je veux vraiment terminer celle-là parce que si je commence à bobiner là-bas, je ne terminerai jamais mes chaussettes. Donc, vaut mieux que je termine et puis comme ça, après, ce sera fait. Je me suis rachetée quand j'étais au festival. Je me suis acheté des aiguilles circulaires pour le jacquard. Parce qu'en fait, moi, le jacquard, avec les chaussettes, j'arrive pas du tout à me... J'arrive pas à les tricoter. J'arrive pas à faire en magic loop. Ça me dérange beaucoup. Je ne sais pas comment tenir. Du coup, j'ai du mal. Vraiment, en magic loop, j'ai du mal. Et j'utilisais, en fait, pour faire mon jacquard, j'utilisais ces aiguilles-là. Donc, c'est des Aya-Aya. C'est du 2,25 et en fait c'est vraiment pas agréable, vraiment pas. Et en plus comme c'est du 2,25, ben c'est hyper serré en fait, donc il faut vraiment que je puisse avoir une taille, enfin un truc en tout cas que je puisse mieux tenir. Et donc quand on y était, je me suis loupée, j'ai loupé mon coup, puisqu'en fait je voulais prendre du coup des Xiaogu, mais en 2,5. Pour les jacquards. Et en fait, j'ai pris du 2,25. Donc, c'est un peu. C'est bête. Non, c'est. Attendez. Oui, c'est ça. J'ai pris du 2,25. Donc, bon, on va essayer parce que comme je vais moins serrer puisque ce sera plus agréable à tricoter parce que je l'ai un peu essayé. J'avais monté pour essayer de faire des côtes et tout pour voir ce que ça rend. Et c'est comme il y a eu des. Il y a une. Enfin, il y a une des. Comment les aiguilles. Je vais y arriver. Les aiguilles sont plus longues. Elles sont plus longues. Voilà, c'est ça. Quand on regarde là, c'est un peu plus long comme ça. Donc je me dis, ça sera quand même plus agréable à faire pour faire du jacquard. Donc on va voir ça.
Hop, je range ça. Et donc, je vais tester ça puisque j'aimerais bien quand même refaire du jacquard. J'utiliserai du coup de la laine. Elle est où la laine? J'utiliserai du coup de la laine comme ça, puisque j'en ai pas mal. Et puis, il faut que je trouve un contrastant, mais je vais me faire du jacquard. Je ne sais pas encore quel modèle je vais faire. Mais bon, donc voilà. Donc, je prévois de me refaire des chaussettes en jacquard. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Ensuite, je vous parle de la poisse. J'ai une poisse, mais incroyable, avec cette laine-là. Comme vous savez, c'est de la Madeleine et Philibert que j'ai achetée l'année dernière, que j'ai très envie de porter ce pull. Mais vraiment, je vous le jure, j'ai très très envie de porter ce pull. Pour ceux qui débarquent, j'avais commencé à le tricoter une première fois, mais ma fille de 2 ans me l'a déchiqueté, m'a découpé un écheveau entier, m'a coupé dans mon tricot, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je pensais que c'était juste la laine, elle avait juste coupé dans la laine. Mais en fait, elle avait coupé aussi dans le tricot. Donc, j'ai dû tout détricoter pour recommencer. Donc, j'ai recommencé un pull. Donc, le premier, c'était un pull en raglan, tout simple et tout. Parce que là, franchement, j'ai même pas envie de faire de motif là-dedans. J'ai juste envie que ça soit du jersey. Donc, j'ai tout détricoté. J'ai remonté un deuxième pull en bottom-up. Donc, du bas vers le haut. Donc, j'ai fait les côtes et tout. J'ai fini le corps. Et en terminant le corps, quand j'ai voulu faire la séparation des mailles du devant et du dos, j'avais pas monté le bon nombre de mailles. Il me manquait 40, non pas 40, il me manquait une trentaine de mailles, je crois. Pratiquement 30. Pratiquement 30 mailles de moins. Donc, bah, on détricote de nouveau, on détricote de nouveau. Et là, mais je n'abandonne pas parce que je veux porter ce pull. Là, j'ai remonté du coup un autre pull, mais du coup maintenant c'est en drop shoulder puisque c'est des manches comme ça. Des manches, pour ceux qui savent pas ce que c'est des manches tombantes comme ça. Donc on monte le dos et ensuite on monte les demi devant. Donc j'ai recommencé. Cette fois-ci, j'ai recompté 50 fois de peur et puis je le mets bien en hauteur que Chloé vienne pas me le recouper. Donc j'ai monté, j'ai fini le dos. Voilà, j'ai fini le dos. Hop, j'ai fait les demi devant. Et là, je suis en train d'avancer. On voit pas grand-chose parce qu'en fait, moi mes mailles, je les mets en attente souvent maintenant avec des Scooby-Doo. Et mon Scooby-Doo, et je ne retrouve plus mon Scooby-Doo. Je pense que les filles sont venues jouer avec, mais j'en avais plein. Et elles ont joué avec, elles les ont découpées. Certains, j'en ai retrouvé des bouts et tout. Donc, je ne l'ai plus. Je ne sais pas. Il faut que je m'en rachète. Et le seul que j'ai retrouvé était trop court. Donc, j'ai fait un nœud pour pas les perdre. Et donc, voilà. Et donc, j'en suis là. J'ai fait les demi devant. Et je suis en train d'avancer le devant. Bah, j'ai joué en rond. Donc, j'ai commencé par le dos. J'ai pas fait de rang raccourci. Je reviens en arrière. J'ai fait 10. 7 cm au niveau du dos. Ensuite, j'ai mis en attente, j'ai monté un demi devant, j'ai fait quelques rangs tout droit. Ensuite, j'ai fait des augmentations pour creuser le décolleté. J'ai laissé en attente, j'ai fait pareil, j'ai creusé pour faire le décolleté. Et puis maintenant, j'ai joint. Et là, je fais quelques allers-retours pour arriver du coup à 17 cm de ce côté-là pour pouvoir recommencer une énième fois. À tricoter en rond. Donc, comme je vous disais, c'est de la Madeleine et Philibert. Je cherche l'étiquette. Voilà. C'est de la Madeleine et Philibert. C'est de la 100% Merino Superwash. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Hilda Rang. Donc, voilà. Donc, Madeleine et Philibert. Que j'ai revu, qui est absolument adorable. Que j'ai revu. Au festival là avec qui était toujours avec son mari et Caroline donc Simelo qui enfin on passe toujours un bon moment hein, je l'adore hein, c'est vraiment donc voilà donc j'ai fait beaucoup beaucoup de passages chez eux je suis venue discuter de temps en temps et tout donc c'était chouette donc voilà je n'ai pas cité de noms pour les personnes que j'ai croisées. C'est fait exprès parce que je suis sûre que je vais en oublier plein. Et comme j'ai pas envie de vexer qui que ce soit, je préfère ne pas donner trop de noms. Mais franchement, c'était adorable, mais vraiment très très gentil.
Et le dernier en cours, le dernier truc sur lequel j'ai ce que je fais en ce moment, j'ai ressorti mon crochet. J'ai ressorti mon crochet, ça faisait vraiment très 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 longtemps que je n'avais pas crocheté. Et en fait, là, quand je suis rentrée là, quand j'étais en train de ranger toute ma laine et tout, ma belle laine qui venait d'arriver, j'en ai profité pour faire du tri sur mes laines et je me rends compte qu'il me reste quand même beaucoup 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 de toutes petites boulettes de laine dont je ne ferai rien puisque c'est pas assez pour me faire des contrastants au niveau des chaussettes, c'est pas assez, je sais pas quoi en faire, je savais pas quoi en faire jusque-là. Et je me suis dit mais pourquoi pas me faire un je me montre comme ça, me faire une écharpe au crochet en utilisant des queues que des restes de laine. Donc j'en ai vraiment quelques grammes quoi. Et là, j'ai monté une écharpe comme ça. Oh, il faut que je vous montre de plus près. Oh, mais c'est trop beau. C'est trop, trop, trop beau. J'adore, j'aime beaucoup. Donc j'utilise tout. Donc là, j'ai de la madeleine et philibert, j'ai de la sélène, j'ai de la woolissime, j'ai de la. J'en ai plein. Enfin, je ne vais même pas vous dire les noms. Mais en tout cas, voilà. Donc je crochète très petit en 2 mm. Pour que ça soit bien serré et c'est pas mal parce que j'avais commencé au départ à crocheter en 3,5 et c'était beaucoup 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 trop lâche en fait et c'était pas joli. Et là, oh, mais c'est trop beau, je suis fan. Donc j'ai monté, je sais même pas combien de mailles en l'air j'ai monté, mais en fait en gros il sera comme ça. Elle sera, elle, hop, une écharpe. Donc ça descend à peu près ça. Je vais pas laisser les froufrous comme ça. Soit je les rentrerai, soit j'essaierai de faire un nœud pour que ça soit plus joli. Mais en gros, ça sera comme ça. Donc j'en ai pas mal à faire là. J'ai encore quelques avant que ça se transforme en écharpe. J'en ai pas mal. Je la tricote que la journée parce qu'en fait, du coup, comme je peux pas, j'essaie quand même de faire attention aux coloris que j'associe petit à petit parce que je veux pas que ça soit trop foncé à un endroit, que ça soit trop. Enfin, je peux enchaîner des coloris foncés en fait. Mais le bleu là, ça c'est de la madeleine et philibert. Jusqu'au bout, je ne savais pas si j'allais en avoir assez, mais il me restait vraiment un tout petit peu, un tout petit peu. Donc jusqu'au bout, je me disais, est-ce que je vais en avoir assez? Est-ce que je vais en avoir assez? C'était un peu. Donc voilà. Donc j'ai monté un nombre de mailles indéfini puisque j'ai pas du tout compté. J'ai monté des mailles en fait. J'ai pris une écharpe que j'ai déjà. J'ai monté des mailles en l'air et puis j'ai mis sur le truc. Je me dis, bon, c'est la bonne taille, ça ira très bien. Donc voilà, donc je me. Voilà, elle est comme ça. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. J'aime trop, vraiment. Je trouve que ça, c'est vraiment un super projet pour passer ces tout petits restes. Même un châle, si on part d'une pointe et qu'on monte comme ça et qu'on élargit comme ça, un triangle et tout, c'est pas mal. Mais donc voilà, donc je suis trop contente de cette belle écharpe qui va avancer tout doucement, qui va être hyper coloré. Franchement, ça va être absolument magnifique, je pense. Donc voilà, donc j'ai commencé ça. Comme je vous disais, bah du coup, j'ai utilisé de nouveau cette laine-là, mais bon, c'était pour faire un rang, donc ça va. Il m'en reste encore pas mal, donc je pourrais en mettre sur plusieurs rangs. Donc j'ai plein, plein de restes dedans. Donc là, j'ai plein, on voit rien, mais j'ai plein de restes comme ça et tout. Par exemple, ça. Je ne suis pas sûre d'avoir assez pour me faire même des pointes de chaussettes. J'ai des plus gros restes, mais pareil, je n'en ferai pas grand-chose à part ça. Donc voilà, donc j'essaye de tout mettre là-dedans et puis ça sera trop beau. D'ailleurs, là, quand j'aurai fini de monter ça, enfin, je ne vais pas faire de montage finalement, hein, puisque je n'ai pas eu beaucoup de coupures. J'ai pas eu trop de blanc, donc je pense que je vais vous la mettre telle quelle. L'épisode vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu, à me laisser un petit commentaire si l'envie vous prend, même un petit cœur, c'est très bien. Donc voilà, bon, et bienvenue encore aux personnes qui arrivent ici. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que j'ai pas été trop speed, mais bon. Donc voilà, bon, bah, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!